Ce document élaboré aux standards internationaux servira de levier à la République du Congo, engagée dans l'accélération du développement de la science, la technologie et l'innovation, visant à atteindre les objectifs du PND 2022-2026. La cérémonie de réception des résultats du présent atelier marque le début du passage de la rhétorique à l'action. Nous voulons une politique de la recherche scientifique et de l'innovation effective, axée sur la mobilisation de ressources juridiques, politiques, humaines, financières et matérielles, dont la mise en œuvre sera appréciée par des indicateurs pour le plus grand bonheur du peuple congolais et de la communauté internationale. L'UNESCO encourage les pays à une coopération scientifique internationale. La coopération scientifique internationale est essentielle pour construire la paix entre les pays. À cet effet, l'UNESCO encourage ses États membres à investir dans la science, la technologie et l'innovation, à élaborer des politiques scientifiques nationales, à réformer leur système scientifique et à renforcer leur capacité de suivi et d'évaluation des performances. Recevant ce document, le chef du gouvernement Anatole Kouliné Makosso a apprécié le travail abattu par les scientifiques et chercheurs congolais. Je voudrais féliciter et remercier les éminents chercheurs, les experts nationaux et internationaux et l'ensemble des membres de la communauté scientifique pour leurs apports et contributions multiformes. Je souhaite un succès éclatant à la mise en œuvre de cette nouvelle politique de développement de la science, de la technologie et de l'innovation au profit de l'émergence et du développement durable de notre pays.